This man faces the language which he knows. History knows no boundaries, and time has no beginning. This man faces the language which he knows. You can't stop that. This man faces the language which he knows. History knows no boundaries, and time has no beginning. This man faces the language which he knows. Man faces the language which he knows. This man faces the language which he knows. Hey, this is Viktor Marek from Hamburg and from Hayusom, and I'm really happy to be here, and I think it's really important to have a cultural exchange between Europe and Africa and mostly all over the world. But for us it's very important because we as Hayusom work with refugees, so, and many of them from West Africa, so it's very good and important for us to have this exchange, to come here and to see how it works between Hayusom and, for example, for Otni, and make this experience. It's an important experience. So you are making a good, really good performance. How have you discovered this music, and what does it represent for you? This music is, you can say, maybe electroacoustic music, because I use the sampler as an instrument, like a guitar or something. I'm not interested to play music from the computer, just play on start. I want to use samples I did before as an instrument. So I sampled, for example, I went to Burkina Faso, and we had a show there from Hayusom, and I went to the market, to the marché, and I sampled a lot of things from the marché, like people who cut the head out of the chicken, and I recorded this, and later I made the beat out of the sounds from the cut chicken. Oh, very interesting. Yeah, so that's my kind how I work. So I want to have the influence of the place where I perform. So I try to bring the place where I perform in my instrument with the sound. So are you an autodidact, or have you teach or learn it somewhere? No, I'm an autodidact. I started first to teach myself playing guitar. I was playing in punk bands, and after a while I was a bit bored of just have six strings on the guitar, and I looked for another possibilities to create sound. And then I started to do some like electronic stuff. I was into hip-hop music, and after going deeper and deeper and searching for new sounds.
How many years of experience do you have, and which message do you want to transmit when you play or when you perform? Experience of making music, I'm doing like, I don't know, 20, 25 years. And I think my message is, I need to, you know, cultural exchange make us all more rich in a way, you know. I have like, for example, I have also a project with a sitar player from Pakistan, and this is also for me a very important project because he plays like classical sitar, and before we met he never played with some electronic music or other music. He played just classical sitar, and now we met and I play electronic beats and he play his classical sitar, and it's not a fusion, it's something different. He do his thing and I do my thing, but it worked very well together. So we went on tour to Pakistan, in Germany, and it's important, you know, to bring the culture to the people all over the world, so it makes everybody more rich and more experienced. So for you it's very important to transmit emotion, but about the message. Yes. Which message concretely do you want to transmit? Yeah, like I said, like it's important to have this cultural exchange and to know people and different cultures and not stay at home, not have a, you know, a view like this, like a tunnel view. You have to be open and nice to the people and create a special mood and celebrate this with the people. So you promote living together. Yes. Which plate, which food have you appreciated in Cameroon? Food? Like somebody from the Orkney was cooking for us. So it was, I don't know, today we had fish with aloko, or no, you don't say aloko. Aloko is in Burkina Faso. You have a plant. Yeah, exactly. I love this fried banana. It's really, I really like. And I like to eat very hot, so I like this. Final statement, do you have other thing to add or to say or to share? Yeah, hopefully we met once in Hamburg. You can come to my concert in Hamburg and you can see how it is, how it's the difference between the audience in Yaoundé and in Hamburg, for example. That would be nice if the audience from Yaoundé come to Hamburg and we have celebrating the music there. Thank you very much. Yes, thank you. Thank you. Un doigt d'honneur, mais après ça peut aussi, tu vois, ça te permet aussi de peut-être montrer ce que tu ressens, quelles sont tes convictions, toi en tant que, si tu as le pouvoir, ce que tu aimerais que les autres fassent, ou c'est ça, qu'à un moment, sans le vouloir, je lui ai fait lever la main en disant oui, le pouvoir aux femmes, tu vois, des trucs comme ça, en fait, naturellement, ça suscite des trucs en toi. Mais après, le fait que tu penses que bon, c'est un être humain comme moi, il est en face de moi et tout, tu fais attention quand même. Tu as des limites, tu fais attention parce que tu te dis que, oh là, elle peut se faire mal si c'était moi et tout. Tu fais attention, tu l'amènes un peu plus loin, tu dis bon. Et comme il a parlé de contrepoids, il y a aussi le poids là qui t'empêche aussi de faire certaines choses parce que parfois tu veux peut-être que le pied traverse comme ça, mais. Bonjour, je suis Ella Huck de l'Allemagne. Je suis artiste et metteur en scène de performance. Avec une équipe d'artistes, j'ai initié le projet Hayusom, un centre transnational de performance en Hambourg, qui est vraiment dans le nord de l'Allemagne. Notre travail peut être divisé dans plusieurs catégories. On travaille avec une grande compagnie, avec 15-16 personnes, entre l'âge de 9 ans et 35 ans. Cet collectif professionnel
produit avec l'équipe de la direction artistique des performances interdisciplinaires dans les grandes scènes nationales et internationales. On fait des coproductions avec Camp Nagel, qui est un très très grand théâtre et centre aussi de d'art performance et de danse aussi. Et pour notre production Azimut, on a coopéré avec Lotny et avec Martin Ambara parce que l'Azimut, c'était une performance sur le thème de colonisation et décolonisation. Et notre but était de coopérer avec des artistes d'un pays où l'Allemagne a été brutalement oppressée, les gens, quoi, pendant cette phase de colonisation. Et dans l'artiste de Martin Ambara, on a trouvé vraiment une très, très, une artiste et une partenaire très, très visionnée. Et alors, il était invité par nous de nous dire beaucoup de ses mémoires soi-même ou des recherches historiques, ce qu'il a fait ici en Cameroun, mais aussi en Allemagne. Et il a raconté beaucoup des histoires, ce qu'on n'avait pas avant savoir de connaissance de ça. Et aussi, il a écrit des textes pour nous et aussi il a fait des vidéos qu'on a intégrées dans notre performance. Par exemple, toute l'histoire de cette île Manoka où il y avait les Allemands, ils ont produit une très grande base militaire avec un tunnel et un tour. Et cette tour-là où il y a tous les combatteurs de la résistance, aussi des Français après la guerre mondiale. Alors c'était tout très, très, comment on dit ça, il a inspiré beaucoup nous et tout le groupe là. Et oui, maintenant on est ici et Nebo et moi, on a fait une première partie d'un atelier qui... et le sujet de cet atelier, c'est comment on travaille avec le pouvoir et aussi le pouvoir de bouger quelqu'un et qu'est-ce que ça va donner en l'intérieur de cette personne qui est bougée. Alors tout l'équilibre et les deux parties de la puissance. Et dans la deuxième partie, on va s'occuper un peu avec le thème résistance et quand est-ce que la résistance de moi-même commence déjà. Et à la fin de cette première partie, on a déjà entré un très grand espace et je suis très... je veux dire merci à tout le monde parce que tous les participants de cet atelier sont très très ouverts et on a discuté beaucoup à la fin de cette première partie et voilà, je pense et je sens que c'est vraiment un travail qui est très vivant et les gens et les artistes ici dans cet atelier sont très très ouverts et avec un regard qui est très multi-perspective. Et ça, c'est ce qu'on pourrait peut-être dire pour notre futur à tous de nous. On cherche à Hayusom une vision du monde qui peut intégrer toutes les perspectives, toutes les vues, toutes les pensées. Parce qu'on pense que l'intelligence est une décision vraie, si on veut parler d'être vrai, peut seulement être une décision où il y a plusieurs perspectives ensemble. Une personne seule ne peut pas faire une décision. Alors, je veux dire, on a tous cette responsabilité aussi comme artiste d'essayer d'intégrer toutes nos expériences et toutes nos perspectives.
Merci. Qui est le sauvage? Qui est le sauvage? Yo! Vous êtes venu et vous avez miné nos sous-sols. Qui est le sauvage? 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 Oh! Vous êtes venu et vous baptisez nos filles. Vous les rembosteriez. Qui est le sauvage? Qui est le sauvage? Qui est le sauvage? Vous êtes venu et vous dites non. Toutes nos lois à nos parents, à vos enfants. Mais qui est le sauvage? Qui est le sauvage? Vous êtes venu et vous avez enfermé nos vies dans vos musées. Qui est le sauvage? Qui est le sauvage? Qui est le sauvage? Bouche qui parle, les bouches qui parlent, Yen Maman.